Salut à tous, c'est Jack et on se retrouve donc pour cette quatrième vidéo sur le jeu London 2012. Voilà donc la première vidéo, donc c'était sur l'athlétisme, la deuxième vidéo sur la natation, la troisième vidéo sur le tir, les épreuves de tir et la gymnastique, et donc cette quatrième vidéo sera un petit peu le pot pourri des épreuves. Qui sont pas beaucoup représentés en fait. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous n'avez pas vu. Donc sinon ici on se retrouve donc pour le caring homme, donc qui est donc le vélo sur piste, qui est relativement compliqué. Quoi. Je veux dire, pour gagner, le gameplay est simple. On a juste croix et le. À tous les gameplays sont simples hein, de ce jeu. Mais il faut vraiment bien les utiliser. En fait. Donc voilà. Donc là, on bourrine le bouton croix pour accélérer. Voilà. Et on maintient le bouton croix pour garder une vitesse. Voilà. Mais sauf que les mecs, ils bourrinent comme des vaches à lait. Les deux devant là, faut que j'essaie de le rattraper, voilà. Ah, donc là c'est le dernier tour. Donc là ça va devenir technique. Voilà. Donc là ils sont partis. Allez, on y va. Non. Bon, j'avoue, j'ai fait de l'anti-jeu pour le courir derrière, j'ai bloqué. Mais je fais toujours troisième. J'arrive absolument pas à être les deux. Je sais pas comment ils font les deux premiers parce que. Ils accélèrent comme des bêtes et... Donc voilà. Donc ça, ça va relativement vite, hein. C'est l'épreuve qui va le plus rapidement avec le 100 mètres, je crois. Et donc nous voici, mon épreuve, on va dire, favorite. Le canoë. Franchement, je l'avais adoré dans Pékin et là, elle a encore 10 fois mieux. Tony Estanguet, eh oui. J'avais changé. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué hein, là il y a plus de touches, donc on a les gâchettes R2 et L2 qui nous permettent de faire des remontées comme ça. On avance avec L et on peut se coucher comme ça pour jamais on loupe des des portes. Donc là je vais juste quand même me placer comme il faut, voilà, et là on attaque. Donc les portes vertes, hein, il faut les passer devant, c'est pas voilà, et les portes rouges, donc les stops, il faut les remonter. Donc là, hop là, donc là je plante la pagaie en fait pour pouvoir me bloquer. Voilà. Il fait toucher. Donc là, c'est vraiment celle-là les plus compliquées. Hein. À bien gérer. Donc là, on reprend le courant. Voilà. La remontée qui est difficile. Donc Tony Stanguin hein, qui a fait un parcours excellentissime. Franchement, chapeau à lui. 3 médailles d'or sur 4 jeux. C'était vraiment un bel exploit qu'il a fait. Donc là, je me penche. Voilà. Attention, il y a une porte. Allez, on accélère. Donc là, je fais plutôt un beau parcours. Et j'ai l'air cette épreuve. Hein. Franchement, c'est l'une des plus jouissives pour ma part. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir vraiment. Il n'y a que dans les Jeux Olympiques qu'on verra une épreuve de kayak. Et là, je fais le tour parfait là, franchement. Il n'y a pas de jeu de kayak, etc. On voit que c'est vraiment. Ce qui est vraiment dommage là, c'est que ces sports-là ne sont absolument pas médiatisés. Et par rapport à des jeux qui le sont extrêmement, notamment comme le foot, où là, c'est dommage parce qu'il y a plein de sports. Là, les Jeux Olympiques, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet vraiment de faire découvrir des sports. Et ou voir même des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir et de les mettre en avant. Et c'est vrai que ça c'est bien parce que le sport phare, hein, c'est le foot. Alors on a que du foot tout le temps.
on a peu de disciplines diverses. Donc la nouvelle épreuve, le rameur. Donc là c'est l'épreuve vraiment que j'ai du mal. Vraiment c'est tout con. Vous allez voir. J'attends le départ. Faux départ. Ah putain. Il faut juste appuyer sur les gâchettes R2 et L2. Voilà, c'est tout. Mais il faut faire ça bien. Merde, j'ai encore fait un faux départ. C'est bon. Il faut bien donner notre impulsion pour. Vous voyez comment je me fais déjà distancer. Quoi. Je me fais déjà distancer comme un ouf, alors que voilà quoi, je suis pas gay comme les autres quoi. Et c'est relativement compliqué je trouve, parce que si on fait pas le bon mouvement, on n'a pas l'impulsion, on n'a pas une petite impulsion comme ça voilà. Et donc du coup bon, on n'avance pas et je vois quand même les bateaux, je peux peut-être quand même revenir. Allez, c'est compliqué hein, quand même. Donc si on appuie deux fois sur la même touche, on peut faire comme je fais, une accélération. Voilà. Oh, peut-être doubler l'Australien. Ce serait super de ne pas arriver 6ème pour une fois. Allez, on arrive aux 750 mètres. Donc l'épreuve fait 1 km. Putain, je dois pas être loin de lui quand même. Parce que déjà arrivé. Et je reviens sur le. Oh là là, je finis 6ème pour pas grand chose quoi. Et c'est une épreuve qui est, voilà, qui est bien. C'est bien qu'elle soit, elle est assez complexe. Ouais, on voit, je suis derrière lui pour pas grand chose. Et voilà, donc c'est une bonne épreuve. Elle est compliquée à maîtriser, mais c'est une belle épreuve. Et on arrive donc sur cette dernière épreuve, le beach volley. C'est bien, il y est, on prend, hein, mais vous allez voir quand même que c'est relativement. Voilà, c'est un peu barbant à force, parce que la meuf qui est avec moi, et eh ben elle se matche pas tout le temps. Alors c'est moi, soit c'est moi qui ai pas tout capté, ce qui se peut. Hein. Donc là il faut se mettre au niveau des. Voilà, bon là elle se match, bien évidemment, parce que. Allez vas-y, c'est moi qui va se matcher. Voilà, là je se match. Je sais pas pourquoi elle veut pas se matcher. Là je monte au filet. Voilà, pourquoi elle prend pas la balle là? Elle est bête celle-là. Alors on monte bien la balle. Je sais pas pourquoi ça veut pas se matcher. Alors soit j'ai pas capté les boutons. Donc là on contre. Voilà, donc là on se prend une belle tourie déjà. Il faut appuyer sur quoi? Il y a que sur quoi comme bouton. Mais je sais pas comment faire pour se matcher. Donc là on va contrer. Voilà. C'est bon. Bon, c'est bien qu'elle y soit hein, l'épreuve là. Ça nous changera un peu. Mais bon, elle est pas. C'est un peu rigide comme épreuve quoi. Là, on va se matcher celle-là. Ah, bien. On monte. Alors, surtout quand vous faites une compétition, vous faites la qualification. Des fois, ça dure vachement longtemps. C'est comme le. Merde, je me suis loupé. Il y a aussi le tennis de table que j'ai pas montré. Bon, c'est vachement long le tennis de table. C'est pareil, c'est des épreuves qui sont. Bon, c'est bien, elles y sont, mais. Oh, elle se match. Elles sont relativement rébarbatrices, quoi. Voilà, c'est pas des. Voilà, c'est des épreuves qui sont là, mais qui n'ont pas un gameplay vraiment approfondi derrière.
Donc c'est vraiment simpliste. Et moi je rêverais d'avoir vraiment des vraies épreuves. Voilà, avec un vrai gameplay derrière. Mais bon, ça, on peut pas demander l'impossible, sauf qu'on n'aura jamais. Ah, c'est à moi. Bon, les sauts qui sont à 15 km, on voit le réalisme quand même du jeu. Merde, tu vas où? Tu vas devant? Tu fais quoi là? Oh, bien joué! Eh! Ah! Bon bah c'est bien, on a fait un bon plan là. Apparemment il faut rester appuyé en fait sur croix pour que elle se matche l'autre. Attention, ça va se matcher. Voilà, allez on revient. Bien joué. Donc on peut choisir, on voit attends, vous allez le voir. Quand on va tirer, en fait, on a un curseur. Merde. On voit un curseur au sol qui permet de savoir où on va tirer. Voilà, donc on va lui mettre une balle. Voilà. C'est pas grave. Elle va nous refiler la balle. Ah, c'était à moi. Bon, bah, ils ont le premier set. C'est pas grave. Bon, allez. Vas-y. Moi j'arrive pas à se matcher. Ça me saoule. Voilà, bien. Bien joué. Oula, c'est un peu léger ça. Hop. Attention, ça va se matcher. Ça renvoie la balle. Voilà. Une bonne balle bien haute. J'arrive pas à se matcher ça. Je vais regarder la commande. C'est comment se matcher? Passer ou se matcher? Ok, c'est croix. Bah, c'est ce que je fais, hein, mais bon. Bon, bah, merde. Là, je suis pas concentré. Allez, donc là, on met une bonne balle. Oh, mais elle me gêne l'autre. Bon, bah là, j'ai pas gagné. Allez, là on met une bonne balle, voilà. Ah putain. Voilà. Ça c'est bien contré. Alors qu'on fasse un service dans le rouge ou un service dans le vert, il n'y a aucune différence. Hein. Moi j'ai vu aucune différence. La balle arrive dans tous les cas. De l'autre côté. Donc voilà, là on est bien. Et relève-toi. C'est sûr ça, non? Non, c'est bon. Là. Vas-y. J'arrive pas à se matcher, je sais pas comment on fait. Vas-y. Là on fait une belle balle. Pourquoi elle se matche pas là? Elle va se matcher, elle, c'est sûr. Ouais. Allez. Vas-y. Voilà. Ah, elle se met sur des balles comme ça alors qu'elle est fin loin du filet. Allez, il faudrait quand même qu'on gagne le point quand même. Voilà. Balle de 7. Allez, on va choper celle-là. Ah non! Allez, non, il faut le point d'écart. C'était chaud là. Ah non, on a gagné. Ouais, balle de match pour elle. Et après, ce sera fini. Voilà, ça c'est une bonne balle ça. Voilà, on est revenu. Bon bah, voilà, là j'ai fait un tir parfait. Oh.
Ah, ça y est, j'ai réussi. Ouh. Allez, balle de 7 pour nous. Je suis sûr qu'on va le perdre celui-là. Allez. Yes. Genre, elle nous la remet celle-là quoi. Putain, elle veut pas lâcher le point. Oh non, ça sort, je suis bête. Ah si. Ah bah si, c'est bon, on a eu le point. Ah bah nickel. Bon bah voilà, on va se faire le dernier. Allez, allez, allez. Allez. Ah. Ouh, ça passe limite, hein. Derrière, mettre au fond. Ça, ils ont un peu de mal à. Mettez au fond de sa ligne. Allez, on compte le match. Voilà, pas ce match-y. Là, ça joue, hein. Vas-y. Pourquoi tu se matches pas? Oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà, ça c'est des bonnes balles. Là, j'arrive pas à se matcher, hein. J'ai réussi à se matcher une fois, c'est tout. Oula, téléportation. On n'a rien vu. Je sais pas ce que tu fous dans le. Dans le coin là-bas, toi. Oh, ça passe! Bon, partie interminable. Voilà. Alors imaginez quand on quand il faut faire les qualifs le matin et puis après le match du final après quoi. C'est relativement long. Allez, 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 allez. Mais ce match! Voilà. Deux, allez. Oula. Ce match, putain, elle est nulle. Hein. Boum! Putain. Vas-y. Ah, j'ai tiré sur elle. Non, mais vas-y, putain, c'était un mot. Alors, genre, elle pouvait pas y aller, quoi. Allez, allez. Putain, la partie interminable. Voilà. Non, un jour, elle l'a récupéré, et ton. Oh, puis elle, elle la récupère pas. Bon, allez, balle de match. Bon, allez, je sens que je vais la perdre, celle-là. Ça devient interminable, cette partie. Voilà, hop, c'est fini, c'est bon. On a perdu. Voilà, bon. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, hein, ces différentes vidéos sur ces différentes épreuves. Bon, j'ai essayé de jouer, on va dire, correctement pour avoir un bon gameplay. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est apprécié sur Internet.
Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.